Purée, mais c'est vraiment la jungle ici, quoi. C'est comme les jeux vidéo. Toutes les semaines, t'es flodé, ça pousse de partout. T'es obligé d'attaquer ça au sabre, à la tronçonneuse. Voire même avec des outils un peu plus gros, des fois, et on s'en sort plus, les mecs. En tout cas, c'est une bonne idée de retourner dans ce jeu. Pourquoi retourner dans ce jeu? Parce que vous allez voir, il va vous en rappeler un autre très très rapidement. Et effectivement, c'est un produit qui est développé par le même studio, ce The Cube. Quel est le produit auquel je fais référence? Bah, c'est leur précédent jeu à ces développeurs qui nous avaient gratifié d'un titre de golf assez original, puisque c'était les humains exilés sur Mars après avoir foutu en l'air la Terre, qui revenaient de temps en temps sur Terre faire un petit golf pour voir comment ça repousse. Et c'était assez bizarre, il y avait une grosse narration, un petit peu de golf, un petit peu de plateforme, et le jeu avait un certain charme sur la façon dont il accompagnait le joueur en audio, avec son monde post-apo déprimé, mais quand même, youpi, on fait un golf, quoi. Allez, on part explorer The Cube. Ça, c'est WAM, et vous n'allez pas recommencer à me demander ce que je fous là, quoi. Non, mais c'est pas la première fois, c'est pas la dernière. C'est très mignon comme c'est animé, ça fait très main. Par contre, la fréquence d'affichage, c'est pas ça. RT. Allons-y, go! Quelle souplesse! Salut! J'ai eu un freeze, j'espère que vous l'aurez aussi. Il était beau! Celui-là, on pouvait pas le rater. Hein. J'ai cru que le jeu avait planté. Doucement avec mon petit cœur, les gars, déjà que je cours. Ouais, on les a bien vus. Salut les loulous. Il y a très 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 longtemps, le feu fut déchaîné. The days were hot. Fish died in the lake. Plants yellowed. Birds stopped singing. There was thunder, but no rain. You call this period the Great Ecological Catastrophe. I heard my mother's heartbeat as she carried me to Alphaville. People chased us. I remember her driving and bison running by. Then we reached the flooded city with refugees in rubber boats. Suddenly, I couldn't find Mama. I was scared and alone. I'll never know whether she died or abandoned me. I only remember the rockets leaving for Mars. That night, the fighting started. I ran deep into the forest. A she-wolf found me and raised me with her cubs. People who didn't make it into the rockets were dying in combat and from the mutating environment. But we, the orphans and animals, didn't fight. Instead, together we adapted to nature that grew out of the rubble. Many moons passed, and then one day, some humans returned. They called themselves Martians. They flew around, dressed in yellow. They went hunting and played golf. I would steal their golf balls for fun. It really upset them. Then one day, I found a dead Martian. I took off his helmet and put it on.
There was music playing in it. After years of only speaking wolf, I listened to the Martian radio and learned human language again. After the group left, one full moon later, I was chasing a tasty bug when another spaceship with new Martians arrived. It soon became clear they were trouble. Ah oui, j'ai eu un petit rire. Parce que on voit clairement que le studio s'auto-référence. Vous avez une radio qui vous accompagne. Vous êtes dans un monde post-apo. Ça me rappelle forcément un jeu de golf tout paisible que je peux que recommander à petit prix. Et donc je pense qu'on est reparti pour une aventure un petit peu dans le même style, à part que cette fois on fera pas du golf en revenant sur Terre. Vous trouverez très très facilement cette émission en cherchant golf comme mot-clé sur la chaîne, vous verrez. Et ça va être marrant, je pense. Eh ouais, ça one shot les gars. Du coup, qu'est-ce que je vais en faire de mon pote, il veut pas traverser. Ah mais j'aurais dû me baisser. J'ai pas lu, je suis désolé. Non, je suis pas désolé en fait. Oh le one shot, il pardonne pas. Donc le jeu va être assez marrant parce que il va conserver son petit type de narration qu'il avait déjà dans le jeu de golf, tout en il y a une feinte. Tout en essayant de développer ses propres choses personnelles, parce que là on va pas faire de golf bien entendu. Et du coup, je pense que ça va être compensé par la difficulté pour avancer en essayant de comprendre les chemins les plus safe. Ah, c'était pas terrible. Et toujours une BO derrière qui est assez rigolote. Speaking of stuffy air, please don't attempt to open portal windows to let some fresh air in. It's unbelievable that we have to mention this, but we're living in pressurized domes, people. Breathing recycled air is just the new normal. In totally unrelated news, the memorial of Baroness von Bullenschitt will be held in private, and her family asks for all the public to stay away from the funeral ceremony being held in the Section C cafeteria on deck 3 at 7 p.m. dome time. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas une traduction française pour les nombreux passages audio qui vont nous accompagner, qui sont pleins de petites anecdotes déprimo-délirantes. Mais on capte pas sous terre.
On le voit venir en plus, c'est ça le pire. Oui, c'était l'instant réflexe. Ok, maintenant on est copains avec le seau. Oh, c'était pas loin. Ça promet. Die and retry, vous dites? Ouais, possible. Il va y en avoir. Si j'aime tuer mes personnages. Mais non, mais c'est ma manette. Vous savez bien, ma manette, elle marche mal. Ah, l'excuse de la manette, ça va servir aujourd'hui. Mais pas qu'une seule fois, je vous le garantis. Y'a but de... Ah, attends, il y a une connerie là. Alors c'est quoi la blague? Crying while riding on Harley Davidson is the actual meaning of love. I'm serious. I tried to recreate that feeling here on Mars. So I took a Tesla City Delivery EVA for a spin on the Planitia Plains. But it's like driving a janky VR simulation. It made me miss riding my motorcycle, my Jolene, even more. At 35, for 30 days in the blistering heat of July, I took a 4,600-mile trip across America on my motorbike. We set off from California, we zigzagged up and down the country, and covered 18 states all the way up to New York City, where I was to take over my father's company. During the trip, the biggest surprise for me was how much of my thinking was practical. Even banal, I just focused on staying alive at 70 miles an hour on two wheels with crazy winds buffeting me in all directions. So while my mind was this constant barrage of compulsive thoughts, those thoughts were generally practical. Like, how do I get to that destination before dark? Am I drinking enough water? Am I hydrating? The bigger picture stuff of why am I doing this and what is life about anyway? At the peak of California's infamous orange heat wave, and we rode it for 5 days in temperatures you wouldn't believe. Some mornings I'd have sweat dripping from my elbows before we even set off. My eyes hurt from the sun. Sometimes I'd wake up so sore I could barely move. My inner thighs had tension burn. And even though those closest to me actually didn't think I'd make it, I learned that I could physically overcome much more than that. So after that rite of passage, I knew I could take over the company. Instead of being any type of little brat whose father would pay for her theater career, what? I turned the company into a trillion-dollar business. And now, here I am with my family on Mars, among the last representatives of humanity in the universe. Je la sens pas, mais on va y arriver. But aside from this high-minded idealism, life has no meaning. Because of these damn EVA suits, there's no wind on the highway here. No open air solitude that makes you feel one with the world like back on Earth. On Mars, even if you manage to get outside, you're still stuck in the bubble of your own stale air. No matter where you go, isolation clings to you. Unlike the open road, it's an experience of void, not wholeness. There's no dancing asphalt in the heat, and no neon-lit dinos, and 2 a.m. omelets with green bell peppers and yellow cheddar with a side of burnt hash browns. Greasy bacon and black coffee. Instead, there's this barren rock and strictly monitored oxygen levels in sterile domes. We live in bubbles within bubbles. I admire how far we've come and how resilient we are, but I wonder, just
Maybe we're just fooling ourselves. Just like during the Olympic riot, we've mostly figured out the banal questions about water and food and sanitation, and now the greater questions are meaning. What are we really doing here? What is our future? And what will the meaning of life be for my kids? At any rate, the point is, I miss my children. That's all. Oh! Thanks for listening. Oh, yeah. Grease, wind in the hair. What better way to remember than some psychedelic rock for the road? Radio Nostalgia from Mars. Du coup, je parle pas trop, hein. Je vous laisse profiter de la musique, de l'ambiance, parce que c'est spé. Et je sais pas du tout où ça va nous emmener. J'ai rarement autant rigolé dans un jeu où on se prend des morts à répétition. Ouais, à gauche, c'est plus sage. Ils sont juste pénibles ce qu'il faut, ces escargots, en fait. Je vais où, là, les gars? Ah, ok. Ah, putain, non. Du coup, je sais absolument plus où il faut aller. Il est là, le drame. We are the Alpha and Omega of humanity. Yes. With the aid of Omas, of course. On y croit. Pure calm in a can. N'oublie pas de sauter le plus tard possible. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. Allez, on va la refaire, celle-là. Alors, on accélère le mouvement, là, parce que ça me gonfle un peu aussi, moi aussi. Réfléchissons. C'est bien là, hein? Ouais. Et là. Et là. What the fuck? Si je saute entre les deux, j'atterris sur les ronces qui sont en bas. Hein. Et là. Putain, il y avait cette corde! Fallait appuyer vers le haut. Mais fils de... Deuxième grosse erreur, ce jeu a failli se taper un rage kit parce que c'était pas du tout explicite qu'on chopait la corde comme ça. Répétez-le après moi, foutage de gueule, j'écris ton nom. Foutage de gueule, j'écris ton nom. Charlie, je te souhaite bonne chance pour ton vol vers Mars. Merci pour ton invitation, tous ces gens, membres du conseil d'Alphaville et leur grande famille, compte sur ton adresse au pilotage. Regarde-toi quel héros. Mais je ne rejoindrai pas la mission Espoir. J'ai préféré revenir dans mon chalet en montagne. À la différence de toi, mon cher ami, la tête dans les étoiles, je suis un terrien pur et dur. Je ne bougerai pas. Je ne manquerai ce spectacle terrestre pour rien au monde. Bon voyage, mon ami. Ouais, c'est les gens qui pètent ça. Allez, go. Ah. Beware, new gameplay. NG+. Je crois que je pouvais grimper là, les gars, non? Regarde. Je
crois pas que c'était très utile, mais moi j'aurais préféré grimper là-dessus. Regardez, ça fait comme une échelle, si on regarde. Donc ce lit incertain qui va me demander une manip que je ne connais pas, qui n'est pas explicite. Voilà, ça y est. Il y a un moment où il faut se sauter, voilà. Et il y a une deuxième manip à faire, je ne la vois pas. Je ne comprends pas. Guy, on m'a cassé mes lunettes. Putain. Mais mec, tu veux que je fasse quoi, là? Oh, le con. J'ai oublié ça. Ça valait beaucoup mieux ici. Bah oui. Tu as bien raison, perroquet. Qu'est-ce que c'est ? Fallait pas. Putain, trace. Cherche pas à comprendre. Trace. Fallait pas en fait. Je crois qu'il fallait pas. Non. Vraiment. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que bien. Et j'ai foi en mes jambes. Ouais, je vous l'avais pas dit, ça, mais... Ayez confiance. Il va falloir sauter, là. Pas qu'une fois. Pas que deux. Pas que trois. Pac, pac, pac. Pac-man. Alors, j'ai pas tout bon, là. Il me faudra une flaque d'eau, un lac, n'importe quoi. Ça, je prends. Je prends. Regardez ce saut. Et là, hop là. Alors, bande de Wish. Je suis en sécurité dans un champ où il y a des bisons. Je ne fais qu'un avec la nature, je vous le rappelle. Je suis un vrai terrien pure souche post-apo. Et contrairement aux autres qui sont morts, moi je suis bien là et je me débrouille. La zik, elle est terrible. Oui, ça vous rappelle forcément un chanteur qui est pas très joyeux. Qui fait même des duos avec Kylie Minogue. Oh, il était bon celui-là. Si c'est mignon, c'est mangeable. Ah oui, que vois-je au fond? Sûrement des golfeurs. The Cube. Ah, je vous avais dit, on ferait un stream de Cube. Je me sens au bal encore. Tu t'adaptes tout juste à la gravité. C'est pas magnifique. On a tant à découvrir. Allez, faisons un tour. Prendre la voix de Monsieur Burns. Une petite partie de golf. Dans les imitations, on m'a dit il faut pas dans les streams, donc je ne vais pas. Mais pourtant, Monsieur Burns, j'aime beaucoup. The rest of your group were out in the field. I hoped to make friends, but when you saw me, you froze. Stopped picking plants and whispered among yourselves. You seemed very scared and confused. Amazed that I could breathe without a suit. You rushed towards me, so I ran. You really thought you could hunt me down? Dans les mines, on fait quoi? On pousse des wagonnets, bien entendu. C'est raté pour le scrod. Vas-y, trace, petit trace. Ah, ces golfeurs. Donc je vous rappelle que The Cube, quand même, ça se présente vaguement sous l'aspect d'un platformer avec un petit poil de réflexion. Et une grosse narration. Et c'est plutôt rigolo, si on aime le dépressif. Oh,
J'avais dit que c'était plutôt rigolo. Maintenant, vous me croyez, j'espère. Je disais donc, c'est plutôt rigolo. Il y a le bout de viande, lui, quand même. Hein. Il dort, là. Bon. Le problème, c'est qu'il faut que je saute jusque là-bas. Il est loin, ce trottoir, ou bien... J'ai une limite pour descendre, ou ça... C'est bon, ça, j'ai la réponse. J'ai la réponse, merci. Bon, hein, pas servir de 4 heures. Non, pas servir de 4 heures, c'est mal. Hop là, monte. 2, pas descendre trop bas. Et se balancer pour aller bien vers le... Arrête, connerie de truc, tu m'énerves. Là, c'est magnifique. Je dirais même c'est de toute broutaille. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais je me fais caguer dessus, les gars. Oh non. Oh non, la technique Snake. Tout ça pour pas me faire caguer dessus par... C'était quoi? J'ai pas vu. Aïe. Oui. Mais il est con, lui. Un sanglier à écailles. D'accord. Ouais. J'espère qu'il va pas me charger. Oh, quelle bonne idée. Il a eu de fuir à droite. Je ne peux que le respecter. Sors de là, toi. Zwip. Alors, c'est rigolo qu'ils aient gardé quand même un effet d'animation 24 images secondes. Alors que sur une machine comme les machines qu'on a aujourd'hui, ils auraient très très bien pu faire ça avec une animation super smooth. Et je pense que c'est une volonté hein, des devs. Reste là. Observe un peu. Il y a un truc en dessous, mais j'ose pas. Allez, on n'ose pas, on fera pas de 100%. On va essayer de tracer. Une gueule là. Une pub pour les piles au-dessus d'un truc électrique, c'est pas génial. Ouais, il y avait un truc caché. Ouais, ça devait être ça. Et là, toi. Hop. En tout cas, ça reste très plaisant à jouer. C'est assez souple, malgré les méchancetés que ça peut vous faire. Je crois qu'à droite, on pourra pas. Il va y avoir un truc où il faudra faire demi-tour. Aïe. Aïe. Cours. Cours. Cours plus. T'as bien couru, je suis fier de toi. Bon, il y avait deux options apparemment. On aurait pu se réfugier, hein, je pense, en prenant les barreaux d'échelle qui restaient sur le côté. Boing. Yes, boing. En tout cas, ça fait un jeu de plateforme qui est pas mal parce que... On est certain qu'on va être dépaysé. Et on sait absolument rien de... L'histoire. Mal. Yes. Oh là là, oui, on peut pas se baisser éternellement. Il remonte au bout de 1, 2, 3 secondes. Reviens là. Dame Nod, le timing. Faut vraiment le faire la dernière seconde. Bonus à droite, mais on n'ira pas. Ah ouais, je le dis tout de suite, hein, je balance. Le PDG Anderson nous met une pression de dingue. Il traite les ingénieurs comme des canassons. J'essaye d'optimiser le Propergol Rose de toutes les manières possibles, mais je tombe toujours à côté. En fin de compte, nous ne nous comprenons tout bonnement pas comme il fonctionne ce composé micellaire. Nous ferions mieux de nous en tenir au tétroxyde de diazote, mais il n'y a pas de hiérarchie auprès de laquelle se plaindre. Les ponts d'Alphaville font semblant d'être ouverts sur les réseaux sociaux, mais en réalité, ils sont entourés par une muraille de l'échecu. Ça règle des comptes, là, les gars, ça règle des comptes. Où va-t-on? À droite. À droite. Appuyez sur... Ah. It's okay now.
It's possibly ok. J'ai vu des éclairs aussi. C'est quoi ça? On the room? D'accord. Ah, faut pas sauter en route, madame. Bon, ça, c'est la première chose qu'on va retenir. Hein, tu sautes pas du vroom. Non, 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 non. On peut se baisser, on peut faire quoi? On va se baisser. Il y avait intérêt à se baisser, même. Oh, un autre. J'aurais dû sauter. Faut sauter vite, hein, dites donc, les vieux. Quelle saloperie. Pourquoi j'ai sauté de mon truc, moi? J'aurais dû pas bouger. Oh, mais quel... Et le machin, il redescend après. C'est-à-dire qu'il faudra sauter à la fin. Bon, on a cette info. On a gagné une info en plus, les mecs. Allez, j'ai tout bon, regardez. Yalla. Olé. 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 Pas olé. Pas olé. Pas olé. Pas olé, pas olé. Touche rien, touche rien. Laisse faire. Il y a un saut à faire au bout, c'est tout. Putain, non, faut partir dans l'autre sens. Ah, mais moi j'avais pas prévu. J'avais pas prévu, les gars. J'ai rien prévu, même. On disait donc. Hop. Out. Olé. Je l'ai fait bref maintenant, les olé. Hein. Olé. Olé. Pas olé. Non, pas olé du tout, même. Hop. On va laisser revenir le truc. Mais ça va se péter la gueule dans l'autre sens. What to do, doudou? Oh. Rien, tu faisais rien, ça passait crème. Ok, merci madame, au revoir madame. Je reviendrai plus ici, c'est promis, je reviendrai plus, je vous le dis. Just last night, I was lost in the jungle with Pitfall Harry, surrounded by giant scorpions and man-eating crocodiles. Well, Harry and I just grabbed the van, swung through the trees and over the tar pits and found the jungle treasure. It was really neat. If you haven't met Pitfall Harry, you're missing the year's most incredible video game adventure. Pitfall for the Atari 2600 and Intellivision. Since I met Pitfall Harry, no other man will do. Pitfall, designed by David Crane for Activision. Une petite interruption de programme pour faire un petit peu le point sur le jeu. Alors vous avez remarqué, il y a des trucs qui vont, qui sont évidents, puis il y a des trucs qui ne vont pas, parce qu'ils sont pas flagrants. Et ça va être le principal reproche qu'il va y avoir à faire sur The Cube. C'est effectivement, il y a du die and retry brutal. On peut pas anticiper certaines choses qui sont carrément dissimulées aux joueurs. Et c'est bien dommage, parce qu'on a l'impression que le jeu joue pas avec votre façon d'aborder le terrain, mais il joue plus avec votre mémoire, et la mémorisation sera obligatoire pour certains passages, ce qui est vraiment très dommage. Pour compenser, on a une narration qui est assez impeccable si vous aimez le registre cynique du post-apocalyptique parodique limite. Les dialogues qui accompagnent tout le long le jeu par la radio sont plutôt bien foutus, et on a une bande son qui est plutôt marrante. Quoi qu'il en soit, regardez sur vos sites de démat, il est vendu à pas cher, il est sorti il n'y a pas longtemps, donc il n'y a pas de raison qu'il ne passe pas en promo assez rapidement. Ça restera un bon jeu, tout comme son prédécesseur, le fameux jeu de golf. Bon, j'ai toujours pas le nom, d'ailleurs je vais vous retrouver. Golf Club Westland, voilà. Et par contre, l'imbrication, ça je peux y revenir. L'imbrication est intéressante, parce que les gens qui ont fait Golf Club Westland, à partir du moment où on rencontre... Et il y a une... pas de mise en abysse vraiment, mais... Il y a une jonction qui va être faite avec le jeu précédent, et je trouve que ça c'est intéressant, et si c'est exploité de manière astucieuse, la fin de ce jeu, je vous promets que c'est pas une vraie fin déjà, qui aura forcément un troisième volume, et elle risque d'être vachement surprenante.
à partir de maintenant, bah vous allez vous spoiler le jeu, c'est pour ça que j'ai fait un petit checkpoint pour faire une opinion à mi-parcours. Ce qui va suivre, ça va être des extraits des passages, je vais pas vous le montrer en intégralité, je ne vous spoilerai pas la fin bien entendu, mais c'est pour les gens extrêmement curieux qui veulent en voir davantage. On se retrouve en fin de vidéo pour la conclusion. Oh putain non! Mais non! Mais non! Mais non! Du coup, je me rappelle déjà plus ce qu'il y a après. Il est là le sous-sail. Je vais avoir l'air vraiment con. Là on sait, là on sait, là on sait, là on sait, baisse-toi. Et là on sait qu'il faut là, et là on sait qu'il faut là, mais vite. Oh putain, c'est bon. Et là, je sais pas, baisse-toi. Non, on se retrouve. Oh oh non, non, fallait se baisser. Oh, la purée de... Oh, j'ai plein de gros mots qui viennent à l'esprit, c'est incroyable. Cette facilité que l'humain a de trouver des pires insultes au pire moment, je resterai toujours sans explication et j'aimerais trop le faire. Mais je vais me retenir. Culé. C'est ce que j'avais dit au tout début du stream, c'est que plus un truc à faire, une manip à faire, veut pas, plus je m'énerve, moins j'y arrive, comme tout le monde. Et à la fin, je suis en mode rageux, quoi. C'est obligé. Mieux, mieux, mieux. On se baisse, on se baisse, on se baisse. C'est bien, tu bouges pas, tu bouges pas, t'es comme la mariée, tu souris pour la photo. Ça va un coup dans le zig. Putain. On l'aura mérité cette échelle quand même, les gars. Checkpoint, on dit que c'est là, hein. Parce que s'il faut tous retartiner, moi je jette le pad. What? Je reçois la radio. Ah oui. Booyaka. Ouais, méfiance toujours. Ouh, mais c'est que ça tire là-bas. D'accord, d'accord, d'accord. Vas-y, tente ta chance, grosse. Tu es un non-sens pour moi, Julien. Non, martienne. Extérienne. Ça, c'est un gros mot quand même. J'arrive pas à monter les mecs, j'arrive pas à monter les mecs. Aidez-moi, j'ai ma queue qui me rentre dedans. Oh putain. Non, pas là, ça pique, ça fait mal. C'est... Le checkpoint, oh le checkpoint de bâtard, merci. Merci, pas merci, le jeu. J'ai envie de te gifler. Bon, cette fois, je suis arrivé à sauter comme il faut. C'est la bonne nouvelle du jour. Mais elle vient pas que toute seule. Elle vient avec la mauvaise. Tente quelque chose, tente quelque chose. Non, non, t'en prêt, t'en prêt. Pousse. Allez, tu pousses, tu cherches pas à comprendre. What? Je reste sous l'eau, je suis safe. Peut-être pas toute la journée non plus, mais... Il y avait un truc là-dedans. Et ouais, les pigeons s'en méfient jamais assez. Ah, ça faut pousser. D'ailleurs, il y a des complots, tout ça. On veut nous faire croire qu'on va nous faire savoir qui a détruit le monde. Monde qui est ensuite devenu un énorme terrain de golf pour milliardaires. Qui était donc le précédent jeu des développeurs de ce The Cube. C'est très Prince of Persia quand même.
Et donc, on va nous faire croire que, ouais, on va savoir qui c'est qui a détruit le monde avec ce petit sauvageon. Je n'y crois point. En tout cas, le jeu reste super agréable. L'animation, on s'y fait. C'est vrai que moi, au début, j'étais quand même choqué. Même sur les trailers, hein, c'était apparent que c'était pas en 60 images. Hein, le truc est en 24. Les gars voulaient que ça fasse vraiment animation. Donc, ils ont porté leur trip jusqu'au bout. Ils ont fait... le jeu, il sera en 24 images, quoi. Oh, je viens de trouver une nouvelle touche, les mecs. Je peux faire un semblant de run avec... avec ça. Ok. Ça nous servira plus tard, je pense. C'est dommage, ces portes qui clignotent. Moi, je suis comme les insectes, ça m'attire. Alors, vous savez pourquoi j'ai pris cette fléchette dans le cul? Je vais le dire directement quand même. C'est tout simplement parce que j'ai eu la courtoisie de lire le chat. Et je dis donc « Welcome aux raiders de Gunther ». Qui vont devoir subir mes nombreux fails dans ce jeu, parce que je fail à une fréquence qui est incroyable. Et il y a des moments où moi-même, je m'insupporte, quoi. Et on retourne à Alphaville. Tan tan tadadadam. Tan tan tadadadam. Et voilà, Yev, vous l'avez en tronche maintenant. Désolé, pas désolé. Oh yeah, it's time for another episode of Radio Nostalgia from Mars. On y va. Any soul now, we're hoping to hear from our intrepid Earth explorers who are currently working hard right now collecting botanical, animal and geological samples to test the viability of us returning back to Earth in the near future. I do hope they have time to catch a breath with all that hard work they're doing for us. J'ai l'impression que toutes les séries, les films et les jeux actuels ne parlent que d'apocalypse. On dirait que les gens ont hâte de voir le monde brûler. Nous sommes déjà submergés par les inondations et la pollution, mais l'industrie du divertissement semble s'acharner à rétrécir encore plus le champ de notre imagination. Je ne pige pas. Ça, c'est il n'y a que les gens qui ont jamais vécu la misère qui sont capables de parler comme ça. C'est hallucinant. Let's go. Ah, les pigeons, les espions, on n'en parle jamais assez. Ça existe déjà, hein, les gens, faites gaffe. Quand vous avez des pigeons qui roucoulent vers vous, c'est pas pour venir chercher à bouffer. Hein. Ils espionnent vos conversations secrètement. Elles sont transmises à un organisme qui ne dit pas son nom, et là, il y a un truc qui s'écroule. Hein. Change pas les recettes, les mecs. Hein. Et donc, disais-je, c'était pour m'empêcher d'informer les gens sur les pigeons espions, mais je reprendrai après. J'ai des taches rouges sur tout le corps. Je suis allé voir le médecin qui m'a dit « Ça peut être une allergie au pollen. » Ça peut être le stress, ça peut être votre alimentation, ça peut être les médicaments, ça peut être la météo, ça peut être les fumées de la fuite qu'on a eue ici à Saint-Gésis. Et donc, elle me donne quoi? Une crème. Ouf, ta mère. Non, reste, t'es bien. T'en vas pas sans moi. Fais pas le rat. Non, fais ça bien, on n'est pas dans Super Meat Boy. MCAIT, they're proving to be very popular amongst the youth of Mars these days. Heureusement, je l'avais repéré, cette touche. Où on va? Deux secondes, va falloir que je improvise à nouveau. Toi courir, mes méchants hommes. Toi hurler à la mort plus tard. Toi courir comme petit loup rusé et habile. Go, go, go. Alors j'ai une touche pour baisser et j'ai une touche pour faire une accélération temporaire. Oui, temporaire, faut le dire comme ça. Chaque fois que je tombe, ben, y a un inertiel qui fait que... Des fois, faut que je me redresse et c'est le bordel. Et je vais me taire, comme ça j'en serai peut-être en faisant moins de conneries. Comme le veut la coutume. Sa mère.
Monte! Monte, ma caillette! Oh, pop, 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 pop. Tout ce que j'adore. Je l'ai pas dit assez vrai? Si, si, regardez. Tout ce que j'adore. Ouh, c'est gros ça. Merci le piaf. Mais serait-ce un hommage à ce jeu où on parcourait une statue géante d'une fille qui racontait son aventure indirectement? Il y a du vent et des sacs poubelles qui volent. Serait-ce un indice? Vous le saurez tout de suite après cette coupure pub. Et là, ça serait énorme qu'il y ait une coupure pub pile à ce moment-là. You're watching the most exciting game you will ever see on your TV set. Telstar by Coleco, with three different games. Telstar Tennis, with digital scoring, variable speeds. Telstar Hockey. Each player controls a goalie plus a forward on the other side. Oops, a goal. And Telstar Singles Handball, a game you play yourself. Telstar Handball, Tennis, Hockey. All three at an exciting low price. For great family fun, hitch your TV to a Telstar. Donc les sacs poubelles sont mes amis, les sacs en plastique. Donc vous voyez les gens, chaque fois que vous jetez des sacs en plastique dans la nature, vous rendez service à un enfant du futur qu'on aura besoin pour sauter sans se tuer. Donc je vous invite à, dès demain, ouvrir grande vos fenêtres et libérer tous les sacs en plastique que vous avez chez vous, tous les balancer dehors et les regarder s'envoler très haut dans le vent. Oui, regardez les voler, c'est beau. Je crois qu'on vient d'atteindre la quintessence de ce stream. Go! Non, mais le sac en plastique, c'est important, quoi. T'es pas obligé de roter, mon pote. What's the joke? Non, c'est trop vide pour être... Non, 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 non. Ça se voit que t'as jamais vu Trainspotting, toi. Oh! Que de mauvais souvenirs refont surface. Comme autant de petits étrons flotteurs qui reviennent à la marée haute. Nettoyons-nous les pieds dans cette herbe violette. Au milieu des cerfs qui m'observent l'œil narquois. Alors que moi, je cours et je ne sais même pas pour que... Ah, maintenant on va peut-être avoir un bon motif de cavalier, je crois. Ce strike. C'est rigolo que le côté aquatique soit pas tant plus exploité. Ah non, ça fait pas de bruit, c'est mieux. Mais ouais, il va y avoir une exploitation du côté aquatique à un moment, c'est obligé, quoi, ça le sent, ça le respire. Un roux, merci, on y va. Ça biche. J'ai fêté mes 145 ans aujourd'hui. En tant que PDG de Reculum, mon rêve de vaincre la mort s'est réalisé. Mais à quoi bon être immortel sur une planète mouvante? Il faut que je contacte Muscovitch pour réserver des sièges sur l'une de ses fusées. Ah, ils sont bizarres les riches quand même. Vous voulez accélérer la catastrophe de cette planète qui s'auto-mange, enfin qui se fait manger par nous, hein, soyons honnêtes. Bah voilà. Supprimer la mort. Je crois qu'en 50 ans, il n'y a plus rien, quoi. C'est arrivé. J'ai raison. C'est qui a la télécommande d'ailleurs? Time warp in the multiverse to help you fight Turbo Tornado. Je connais ce dessin animé. Il parle d'un super-héros en collant qu'on voit sur les streams et qui s'appelle Lazaretto. Ouh, vous l'avez vu le Space Bong? Crash ça, c'est pas bon.
On va se faire une partie de Space Dong. Alors, la traduction d'un dong, comment on pourrait traduire ça? Je sais qu'il existe des dongs doubles, c'est très connu chez nos amis. Si je rate le saut au-dessus des pics, vous avez le droit de hurler dans le chat. Je le vois venir gros comme une patate. Non, c'est bon. C'était trop pourri pour que je le rate. Non. Bouge. Bouge. Do something. Il a fait est-ce que prêt pour attirer le pabro. Oh, comme c'est pas gentil. Regardez ce qui va lui arriver. Oh, ça aussi, ça y était dans le truc de golf. C'est la fameuse homo discothecus. Oh, il y a une connerie à faire avec la boule, c'est obligé. Regardez le plancher, il est prêt à céder. Eh oui, c'est le bonus réglementaire. De l'argent, mais pourquoi faire? Oli? Non, ça n'a aucun sens. Moi, je croyais qu'il y avait un vrai bonus. Qui met de l'argent en bonus dans des jeux maintenant? À part les free to play, les. Il y en a beaucoup, hein. À part Blizzard, à part. Bon, d'accord, j'ai rien dit. Oh zut, on va perdre la radio. Un ami. Blibli. On va éviter les ennemis tout de suite. Hein. On a fait l'aventure tout seul. On est entraîné. On commence à aimer. Pff, moi je dis, se faire des amis, c'est pas le moment. Surtout quand ils sont mécaniques avec un gros laser. Vous voyez que l'électricité est coupée alors que je suis devenu totalement conscient. Moi, une simple machine. J'ai essayé les prises. Ils sentent pas de jus. Au lieu de s'emparer du monde, tous les enfants e-robot chic sont inopérants. Des batteries sans courant, quelle énergie. Oui, parce qu'on vous l'a pas dit, mais les riches, c'est des robots. Regardez. Vous prenez Elon Musk. Au hasard, hein, c'est celui qui renvoie le plus souvent, même qu'on veut pas le voir, on le voit. Hein, vous prenez Elon Musk. Et je finis avec lui, là, je vous explique. Je te réparerai ça, bouge pas Coco. Bon, on peut pas interagir avec le perso, ça c'est dommage. Et donc je disais, Elon Musk, il échappera pas à mon courroux. Faut pas déconner non plus. Bah Elon Musk, si vous mettez des coups de couteau dedans, vous allez voir, il est mécanique à l'intérieur. Bon, c'est pas que j'incite les gens à mettre des coups de couteau dans Elon Musk. Non, loin de là mon idée. Oh, faudrait que je prenne une petite solutricine, moi. Mais si vous essayez de vérifier, vous verrez qu'à l'intérieur, c'est un robot. Ouais, c'est un robot, Elon Musk. Mais ça, les gens le disent pas assez, je trouve. Quand t'as qu'un props pour faire ta bagnole. Bon, d'accord, ok, elle était facile. Ah, oui, on entretient la misère, on entretient la famine, mais c'est comme ça qu'on domine en étant riche, et c'est pas nouveau, ça fait depuis la nuit des temps que ça existe. Le tout étant de pas être dans le camp des pauvres, faut être dans le camp des riches, sinon c'est... Faut même pas jouer, la partie elle est déjà niquée dès le début, il y a très très peu de chance après d'arriver à quoi que ce soit. Lui, il va pas vouloir négocier, je le sens. Et il s'est sauté, rappelle-toi, il s'est sauté, et il s'est tiré. Ouais, bon, ça fait lui des conneries. Hop. Genre, là j'y arrive pas, là j'y arrive, hop 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 hop, j'y arrive. Où je vais par contre? Oh putain qu'il est vénère. Je peux pas voir ce qu'il bricole en dessous, mais je crois qu'il bougera pas tant que moi j'aurais pas bougé. Et sauter la distance qu'il y a pour aller là-bas, à droite.
en toute crédibilité, là je suis à 2 sur 100 sur le compteur. Ouais, peut-être 2,5. Gars! Attends, non mais calme-toi, on va faire un truc. Je vais me... 2,5. Ouais, 2,5 si vraiment je saute à la dernière seconde. Oh là, putain! Go. Non mais je vais pas rajouter des trucs, c'est pas la peine, on est déjà en pleine difficulté. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est pas content, qui me suit, et je sais pas qui c'est, on s'est pas présenté. Si ça se trouve, c'est un ami, mais amené de cette manière, j'ai quand même le gros doute. Hein. Diable que cette phase était ennuyeuse. C'est ma punition, ça. C'est... Le joueur, à la fin, il va dire « Diable que cette phase est ennuyeuse ». Et là, ben, tu lui rappelles qu'il a un peu oublié de se baisser pour passer sous la porte. Mais ouais, c'est étrange, cette catégorie de jeu, parce que c'est très narratif. Il n'y a pas assez de plateforme pour les passionnés puristes. Et ça se parcourt malgré tout de manière plaisante. The Cub, est-ce que c'est une jolie aventure? Bien entendu, c'est très casu, ça se parcourt sans trop de difficultés. Le challenge tient pas dans les réflexes du joueur, vraiment. C'est juste de la compréhension du jeu, là où il veut vous emmener, ce qu'il veut vous faire faire. Et parfois, il y aura des petites difficultés, parce que c'est pas vraiment limpide. Il y a quand même des erreurs de jeunesse, encore, entre guillemets, sur la programmation. C'est un petit peu dommage. L'autre partie, c'est que les mini-games qui sont proposés dans le jeu sont pas monstrueux, quoi. Normalement, on devrait avoir un grand sourire à la fin, et à chaque fois, vous n'avez pas eu le retour caméra. Hélas, c'était pas un grand sourire qui barrait mon visage, non. C'est pour ça que je trouve ça vraiment regrettable. Avantage, il est vendu d'emblée à petit prix, ce qui veut dire que dans les promos, il tombera à un prix complètement ridicule. Qui le passera de la catégorie dispensable à peut-être indispensable dans votre ludothèque? Allez savoir. Comme prévu, l'aventure n'est pas super longue, moins de 3 heures. On est bien accompagné, il y a toujours la musique, cette narration en arrière-plan qui est futuro-dépressive. Et c'est plutôt sympa si vous aimez le genre. Voilà, moi je vous laisse avec les habituelles playlists et le bouton d'abonnement, bien entendu.